le dernier appel du Voile Africa. C'est le dernier appel du Voile Africa. D'accord, il y a Djakaridja Konate qui me demande pourquoi ne vous présentez-vous pas aux élections présidentielles afin de devenir ensuite président de l'Union africaine. Voilà, moi je ne peux pas me présenter parce que nous on a une limite. C'est la limite fixée par Bob Marley. Bob Marley, un artiste reggae engagé du tiers-monde, qui a été la voix des sans-voix et qui a réclamé un peu, qui a poussé les gens à réclamer leurs droits. Et donc voilà, nous, notre limite, c'est ça. Notre rôle, c'est d'éveiller les consciences, c'est d'éduquer, c'est d'informer. On peut conseiller aussi à travers nos chansons, mais on n'a pas le droit d'être président de la République ou bien d'être président de l'Union européenne. Pas de l'Union africaine, je vais dire. La deuxième question, ça vient de Cédric. Quel est le plus beau souvenir que vous avez de la Côte d'Ivoire? Le plus beau souvenir que j'ai de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire à l'époque, quand j'étais gamin, que j'allais à l'école primaire, et que voilà, la Côte d'Ivoire, qu'on appelait le miracle africain, où le cacao et le café se vendaient au prix normal. Voilà, l'école, c'est vrai que c'était pas gratuit, mais une Côte d'Ivoire où il n'y avait pas les querelles politiques qu'il y a aujourd'hui. Parce que c'est des querelles politiques qui empoisonnent aujourd'hui le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est cette Côte d'Ivoire-là que, voilà, que j'ai en souvenir. Voilà. Maintenant, il y a Kanto Amonovi qui me demande quel est votre avis sur la prestation des équipes africaines à la Coupe du Monde? On a été déçus par la défaite des éléphants, mais voilà, ce n'est qu'un début. Vous savez, en Afrique, les gens n'ont pas forcément les moyens financiers, enfin les budgets ne sont pas mis dans le sport comme ailleurs, et donc je pense qu'il ne faut pas baisser les bras complètement. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que je souhaite que le drapeau revienne dans les écoles primaires et dans les lycées. Il y a des joueurs qui se battent. Au lieu de se battre pour le pays, ils se battent pour l'argent. Il faut qu'on sache que nos ancêtres ont combattu l'esclavage pendant 400 ans. Ils ont donné leur vie, que nos parents, il y en a qui ont été humiliés, il y en a qui ont été assassinés pour l'indépendance. Ils sont allés jusqu'au bout et ils nous ont donné l'indépendance. Donc il faut qu'on ait l'Afrique dans le cœur et qu'on soit surtout prêt à mourir pour cette Afrique-là. Il y a Bethel qui me dit « Comment pourrais-je contribuer à vos initiatives que j'apprécie étant au Tchad ?» Bon, je vais vous donner le site de Un Conseil Une École, donc www.unconseiluneécole.com. Vous pouvez nous écrire et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Généralement, nous, on n'est pas une association qui demande de l'aide. On ne demande pas de l'aide parce que c'est trop compliqué pour nous. Maintenant, si vous voulez nous accompagner, on ne vous dira pas non. On n'a pas l'habitude de le faire, mais on ne dira pas non si vous voulez nous accompagner dans un projet, même au Tchad. Si vous voulez nous aider à trouver un village où il n'y a jamais eu d'école. Lil Banque qui me dit, « Grand frère, j'aimerais savoir pour vous quel est le secret du succès musical ?» Je dirais qu'il y a le talent. Il faut d'abord avoir le talent, ça c'est la première chose. Il faut avoir du talent. Et quand le talent est là, il faut persévérer dans le travail maintenant. Parce que moi qui suis devant vous, ce n'était pas gagné du tout. Ça a été très difficile, mais on a persévéré.